Bienvenue, cher Lion, sur votre vidéo de vie sentimentale pour le mois prochain, c'est-à-dire décembre 2021. Et ça se prolonge un petit peu sur le début de l'année, puisque ça va jusqu'au 4 janvier 2022. Voilà. Donc, à peu près, bien sûr, hein. C'est pas une date fixe. Voilà, et donc c'est pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Alors célibataire, je reprécise à chaque fois, c'est parce que vous êtes séparés, vous êtes divorcés. Vous avez quelqu'un aussi une personne à laquelle vous pensez, de manière insistante, on va dire. Et puis ça peut être aussi un lien avec une personne de votre cercle familial ou amical. Voilà, puisqu'on parle de vie sentimentale, et donc ça comprend évidemment la vie amoureuse, bien sûr. Hein. Alors, on y va avec la première carte qui est la carte de l'ambiance. C'est la carte de l'empereur, qui est dans son sens normal, et qui va nous indiquer qu'il y a, durant ce mois, de la détermination et la possibilité d'une confirmation d'un lien déjà existant qui se stabilise, qui se concrétise. Alors, pour certains, ce sera par des fiançailles, une vie commune, une alliance particulière, en fait. Hein. Ça parle aussi de sentiments intenses, au point de vue de l'amour ou de l'amitié, puisqu'on a vu, on a spécifié que c'était vie sentimentale, donc amoureuse et amicale, possibilité aussi. En tout cas, c'est tout à fait positif, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, je vais réindiquer comme d'habitude les points sur lesquels sont posées les cartes. Ici, on a le présent. Ici, c'est un obstacle ou alors quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. On a à nouveau un point présent qui vient en conséquence de celle-ci, puisque c'est, on parle du passé, et puis le futur, comme vous l'aurez deviné. Donc, c'est l'évolution de la situation dans ce cas-là. Sur le premier point sur lequel on revient, c'est la carte ici de l'éperdu. Donc, la carte de l'éperdu qui se présente dans son sens inversé, qui vient signaler qu'il y a un souci qui est important de souligner, et ça parle donc d'insatisfaction, pardon, d'insatisfaction, donc amoureuse ou simplement affective. En tout cas, ça a à voir, alors soit au point de vue familial par rapport au couple que vous formez et donc par rapport à la famille qui en dépend, ou alors carrément c'est vous avec un membre de votre famille extérieure, je veux dire, ou alors donc juste dans le couple. Voilà, donc vous êtes, par rapport à cette insatisfaction, il y a quelque chose qui vous touche vraiment très fortement par la situation qui vous, peut-être vous déstabilise d'un certain point, parce qu'il y a une très grande sensibilité avec cette carte ici, c'est ce qu'elle souligne, et ça peut entraîner en fait de la confusion dans l'attitude, dans les comportements qui peuvent être excessifs et qui, dans le cas donc de cette carte, peut entraîner, puisqu'il y a une très grande sensibilité, peut entraîner des choses qui entraînent quelque chose de concret au point de vue de la santé. Voilà. Ensuite, sur le point de l'obstacle, c'est la carte de l'errant. Et elle indique qu'il y a au niveau des valeurs et désirs qui sont mis, les valeurs et les désirs sont mis en questionnement, qu'il y a peut-être une impossibilité d'appliquer les règles ou les méthodes qui vous confortent, qui vous mettent dans une situation confortable habituellement. Et apparemment, là, c'est compliqué puisqu'il y a un blocage à ce niveau. Et il peut y avoir aussi, pour certains, le refus de prendre des responsabilités
puisque cette carte indique au départ déjà qu'il y a une volonté de ne pas s'engager dans des responsabilités qui vont entraîner pour lui, donc cette carte qui est représentée par les rangs, une situation qui va le déséquilibrer. Alors, ça signale également que si vous souhaitiez ou si vous souhaitez faire des déplacements, il peut y avoir quelques soucis pour les faire. Soit c'est retardé, reporté, soit c'est impossible de le faire pour X raisons. Sur l'évolution de la situation, on a la carte des frères. Et donc, cette carte, donc, elle est positive, hein. Elle dit qu'il y a une recherche de vérité, toujours au point de vue des valeurs qui vous préoccupent, qui vous occupent, qui vous importent en fait, parce que c'est important pour vous. Ce sont des choix et des décisions qui sont effectués et que vous voulez, les décisions que vous voulez prendre, mais de façon à ce que ces décisions et ces choix impactent concrètement votre vie quotidienne et votre vie concrète. Et même, on parle même d'une période de présentement, mais aussi sur l'avenir, hein. Donc c'est vraiment des choix qui sont très très importants, ils sont même essentiels, je dirais. Sur les cartes suivantes, on va commencer par la carte du passé, puisque c'est celle qui va amener la conséquence de la suivante qui est sur le présent. Donc on a la carte qui s'appelle la gardienne des sigils, pardon. Je me trompe toujours. Je vous la remontre à l'endroit pour. Voilà. Et donc, par contre, je la mets à l'envers puisqu'elle est à l'envers, ce qui signale que par le passé, donc, il y a eu quelque chose de complexe, une difficulté, une épreuve, de devoir mettre en place vos propres habitudes, vos propres rituels, on va dire, des rituels que vous avez dans votre quotidien. On ne parle pas spécifiquement de religion ni de spiritualité. Ce sont des rituels que l'on a, que l'on effectue, peut-être même de manière automatique, sans s'en rendre compte, puisque c'est devenu une habitude. Donc là, on vous a demandé en fait de revoir tout ça, réévaluer ce qui vous est positif, ce qui vous est favorable, de continuer donc à garder, et puis d'autres choses qu'il faut changer, des repères, des rituels qu'il faut mettre en place ou transformer. Et là, il s'agit d'observer, de vous observer en fait dans votre quotidien, dans ce que vous faites, dans tout ce que vous faites, en fait. Voilà. La conséquence sur le présent, donc là c'était le passé, sur le présent, c'est que vous avez pris des décisions, vous prenez des décisions qui sont impactantes, oui, effectivement. Vous avez des initiatives qui sont également impactantes. Vous avez un engagement et une certaine autorité sur les décisions que vous prenez, sur les réactions que vous avez dans votre entourage par rapport à ses décisions, à ses choix, à ses actes. Ce que vous semblez en fait savoir très naturellement, c'est que c'est votre engagement qui compte et non pas l'influence des autres par rapport à ce que vous mettez en place. Et c'est très important puisque c'est justement l'indication de cette carte que je ne vous ai pas encore montrée de près, mais que je le fais. Et donc, voilà, c'est tout à fait ce que vous faites. Néanmoins, on voit qu'avec la carte du dessus, ça vous
ça vous mine. Ça vous. On va mettre une autre carte ici, de toute façon, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, cette attitude. Je continue quand même ici sur les cartes du futur. Donc, on a la Clémente. Je vous montre aussi cette carte, la Clémente. Et elle parle donc de libération, de soulagement, d'une souffrance, d'un lien qui vous apportait des choses difficiles. En fait, cette carte, elle vous amène le message que vous êtes dans l'acceptation d'un lâcher-prise, finalement, par rapport au départ là, hein, d'un lâcher-prise et de laisser disparaître peut-être de votre environnement, de votre entourage, de votre vie, en tout cas, peut-être une personne que vous acceptez, ou c'est vous qui acceptez de ne plus être en contact avec une personne en question pour aller vers une situation qui vous soit beaucoup plus ouverte, plus ouverte, oui, et qui vous amène davantage de positif maintenant. Non pas que vous ayez vécu du négatif avec peut-être cette personne, hein, pas du tout, mais que maintenant ça doit être renouvelé et qu'il y a cette attente en fait, on va dire, de la vie, que vous lâchiez prise par rapport à une situation auparavant. Et donc, dès que vous lâchez prise cette situation, il y a place pour le positionnement de cette amélioration qui attend, et que je pense que c'est vous qui attendez cette amélioration. Et que dès que vous accepterez donc ce lâcher prise par rapport à ce lien ou à cette situation, ces circonstances, eh bien, il y aura une amélioration. Alors, ça peut être de lâcher prise par rapport à une circonstance ou par rapport à une personne pour justement entrer en contact avec une personne à laquelle vous pensez, ou alors améliorer une relation avec quelqu'un de votre entourage, donc familial ou amical. Voilà, et là, on va mettre une autre carte, notamment sur celle que j'ai dit. Mince. La carte du présent qui est là. Voilà, et puis on va en mettre deux autres sur l'évolution de la situation. Voilà. Alors d'abord ici, et puis ici, ce qu'on veut savoir, c'est donc l'évolution de la situation, comment ça se continue dans le processus. Voilà, donc d'abord ici. Alors ici, c'est la carte de l'ermite, donc à l'envers. Et pour moi, ça signale qu'il y a comme un désengagement, un éloignement, un désengagement. En tout cas, il y a de la confusion. C'est comme si vous éloigniez de quelqu'un, ou alors cette personne s'éloigne de vous, ou elle se trouve sur un lieu géographique qui ne vous est pas accessible. En tout cas, ça vous met en retrait, et ça vous peine beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention parce que cette carte-là indique que du fait de sa grande sensibilité, il peut y avoir un impact sur la santé. Et donc,
avec cette carte-là, ça me dit qu'il peut y avoir une... Alors peut-être pas aller jusqu'à la dépression, mais en tout cas, un sentiment d'isolement, voilà, de très grande tristesse. On va remettre une autre carte dessus pour essayer d'avoir une autre information, peut-être complémentaire. Alors, on a, voilà, la carte de la force. Donc, je vous la montre. La carte de la force qui vient ici. Comme si, vous voyez, comme s'il y avait justement une perte de force au niveau émotionnel, au point de vue physique aussi. Et là, on a la carte de la force. Donc, en fait, c'est un passage. Comme s'il y avait un passage à vide, voilà, c'est un passage à vide, un passage où il y a une nécessité de vous retirer, de reprendre des forces, donc c'est ce que vous faites, je pense, et le fait d'être éloigné, d'être en retrait, de ne pas être en contact peut-être avec la vie sociale, votre entourage directement, vous permet de reprendre de la force, du moral. Et de revenir au contact de votre entourage ou peut-être de la personne à laquelle vous pensez et qui donc de revenir au contact de ces personnes, de recréer du lien et que ça vous redonne de l'énergie, du courage et la possibilité d'agir justement. Alors, sur les autres cartes, on a, oui, possibilité d'agir. Voilà. Voilà. Possibilité d'agir. Donc, ici, on a la carte de l'empereur. Donc, ça donne beaucoup plus d'engagement, d'intégrité, de détermination, ici, dans ce que vous engagez par rapport donc, à cette personne, par rapport au lien qui peut être, comme j'ai dit, familial ou amical, en tout cas votre situation. Et c'est ça consolide. On a l'empereur hein, deux fois. Alors, oui, je continue et j'ai quelque chose qui me vient par rapport à deux fois l'empereur parce que c'est déjà arrivé pour un autre signe. Donc, je vais vous dire après, je continue. Donc là, ici, c'est la confirmation de la consolidation possible d'un lien et donc qui s'équilibre, qui se valide par une alliance donc ou une vie en commun. Donc alliance, ça peut être fiançailles, mariage, comme j'ai dit, vie en commun, le choix d'un lieu pour vivre ensemble. Il y a un très grand engagement. Il peut même y avoir, puisqu'on parlait de famille, il peut même y avoir vis-à-vis de cette carte de l'empereur, soit la sollicitation, soit la possibilité, en tout cas l'acceptation, oui, de jouer un rôle d'éducateur vis-à-vis d'une famille. Alors, si c'est une famille recomposée, donc il y a la possibilité, c'est une acceptation. Il y a de la... En fait, ici, la famille, le lien, que ce soit dans le couple ou la famille en question, le lien est essentiel pour vous. Quelle que soit votre situation, hein, je précise, parce qu'il y a une grande fidélité et intégrité qui est vécue de cette manière-là. Ça le souligne notamment par cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là aussi. Et puis donc l'empereur qui est donc à l'endroit. Et je pense que justement, il y a cette volonté de jouer un rôle
paternel, un rôle en tout cas d'éducateur important. Ce qui change totalement votre situation, peut-être que vous étiez en situation, donc on l'a vu au départ, célibataire, puisque c'est le thème de la vidéo, mais je pense que votre situation est amenée à changer parce que ici, on a, donc je ne vais pas revenir sur les détails, mais la construction d'une famille de nouveau, avec l'éducateur, les enfants, l'implication, la volonté de jouer un rôle important. Ici, on a le très très grand changement à confirmer avec la tour qui est dans son sens, oui, dans son sens naturel, qui normalement parle de situation, pardon, excusez-moi, de situation qui devient complexe, lourde, compliquée. Ici, la signification, oui, c'est d'une très grande signification, d'un très grand changement qu'il s'agit, auquel on ne vous attendiez pas. Et c'est très surprenant, c'est bouleversant, parce que ça entraîne de très grands changements dans votre vie et que, il y a ce lâcher-prise à avoir et donc cette souffrance qui est signalée par les cartes de cette façon. Mais qui parle justement, alors peut-être qu'il y avait vraiment souffrance du fait d'être seul et de devoir assumer un certain nombre de responsabilités. Maintenant, il se trouve que ça change. Il y a toujours les responsabilités, certes, mais c'est plutôt des responsabilités qui sont partagées, puisque s'il y a quelqu'un, à mon avis, qui entre dans votre vie de manière tout à fait puissante et quelqu'un qui a aussi cette puissance puisque on a cette carte aussi qui parle, c'est un roi aussi, c'est pas un empereur mais bon c'est un roi, donc on parle d'une très grande autorité, d'une très grande puissance d'action, aussi de personnalité qui sait prendre les décisions et voilà. Et qui sait s'engager quand c'est nécessaire. Voilà, cher Lion, je vous souhaite une très très belle continuation. Ah oui, je vous donne le signe en question que peut-être vous pouvez aller voir parce que c'est peut-être votre ascendant, votre signe de Vénus ou votre signe de lunaire, et parce que ça va dans une même direction. Et c'est le signe donc. Du Gémeaux, du Cancer, pardon, juste avant vous. Voilà. Donc maintenant, je vous dis à très vite, je vous souhaite très belle continuation. Au revoir.